Écoute, les amis, alors, on va regarder s'il va y avoir un nouveau confinement. Alors, on va demander pour la France, d'accord? Est-ce qu'on va être à nouveau confiné? Parce que vous avez vu, hein, avec le tirage juste avant, hein, je ne sais pas si vous avez regardé pour l'Union européenne, bon, on voit qu'ils sont limités, on voit qu'ils ne peuvent pas arriver à faire tout ce qu'ils veulent, d'accord? Et vous savez que ça bouge en ce moment, hein. Donc si pour le peu qu'il y a des vérités qui sortent entre deux, ce serait bien, hein. Alors, est-ce qu'on va être à nouveau confiné en France, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va être à nouveau confiné? Bon, on a la carte de la Lune. Vous voyez, action limitée. Ici, on a l'As de coupe. On va tirer les cartes, on va faire l'interprétation après. On a l'amoureux. Pour l'instant, ils sont indécis sur leur choix, hein, vous voyez. Et on a le jugement. Alors, que vous dire, que vous dire? On est heureux quand même qu'ils soient limités, d'accord? On voit qu'ils sont dans l'illusion et qu'ils ont des obstacles. Donc, c'est très très bien pour nous, hein, parce qu'avec l'As de coupe, voilà. Ça nous arrange, hein? Vous voyez, on a pu partir en vacances et tout ça. Attention, hein, ça ne veut pas dire que on ne sera pas confiné. On voit ici avec l'As de coupe et l'amoureux qu'il va y avoir des choix à faire. Ok? Des choix. Bon. Ah, j'ai un moustique qui m'embête. Des choix. Bon, alors ce sera certainement, vous voyez, par rapport à nous aussi. Hein. Mais vous voyez ici le pendu, le diable. Hein. Ok? Bon. On va regarder. Hein. Oula, alors, ici on a quoi? On a la lune et on a le pendu. Sacrifice, renoncement, limitation dans les projets, voilà, hein, voilà, perte de vitalité, on sait bien. Ici, il y a un état dépressif. Alors, attendez, parce que j'ai un petit bonhomme qui arrive dans ma chambre. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens pas devant la caméra et tu vas pas venir m'embêter. Tiens, tu prends mon téléphone, tu vas regarder tes vidéos dans ta chambre. Salut. Tu ne m'embêtes pas parce que je fais un tirage de cartes. Merci. Salut bonhomme. À tout à l'heure. Voilà. On voit plus grand-mère. 5 minutes, ça y est. On est à venir squatter dans ma chambre. Bon, écoutez, on voit aussi ici avec le diable qu'il y a un abus de confiance, d'accord, de l'escroquerie. Bon, écoutez, moi je dirais que ce ne sera pas un confinement comme on l'a connu il y a 2 ans, 3 ans. Mais oui, d'accord, ils vont essayer de nous mettre des obstacles, d'accord? On va devoir renoncer à certaines choses. Vous voyez, on va être limité dans certains de nos projets. Bon. Ici, ici, on a. Il y a une grande agitation. Hein, d'accord? Ils sont agités. Ils voudraient que ce soit tout de suite. On doit rester fort, ok, devant le diable. Lui, ce qu'il veut, c'est tout dominer. Surtout tout ce qui est matériel, pognon et patati patata. Bon, vous savez, hein, voilà, ils veulent absolument arrêter l'espèce, hein, voilà, tout payer en carte bleue, patati patata. Comme ça, justement, ils peuvent tout gérer. Alors, là, on voit que. Il est tenté par le mal, on le sait, hein, voilà. Mais
Il n'est pas ancré, d'accord? Il est complètement dans le désordre. On n'y peut rien. C'est sa passion. C'est son dada. Ok? Ici. Ah, ici, on voit qu'heureusement, il va y avoir un échec quand même par rapport à le battleur, c'est le début d'une relation. D'accord? Par rapport à l'arrivée de quelqu'un, hein, ou voilà. Alors, ça peut être ici, on voit le jugement, d'accord? Le jugement avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la transformation brutale et difficile à vivre. Bon. Le jugement, c'est quand même un changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance. Bon, ici, je ne pense pas que les gens vont accepter. Mais ce diable étant tenté par le mal, bien sûr qu'il va essayer. Ok? C'est sûr qu'ils vont essayer. Mais je pense que quelqu'un va arriver et va mettre fin à tous ces conneries. D'accord? Voilà. On va être libéré des difficultés. Mais on va quand même rentrer dans des moments de difficulté. D'accord? Grâce à une nouvelle rencontre, on va être libéré. Mais, on sera quand même limité dans certains de nos déplacements. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont tomber en dépression. Je vous le dis comme ça. Donc, faites attention de ne pas tomber dans le panneau. D'accord? C'est important. Il y a, on voit ici une séparation. Vous voyez, il y a une séparation. Moi, je pense toujours que c'est l'Union européenne. Hein, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Donc voilà. Et conclusion, on a la carte du monde. On va s'en sortir, voilà encore une fois, hein, suite à des communications, donc suite à des vérités qui vont sortir. Alors bien sûr hein, qu'on va être limité, mais vous savez pourquoi? Je vous l'avais dit. Je vous avais bien dit. Alors vous voyez ici, on a quand même la solitude et la tristesse, hein, d'accord? Parce qu'on a sorti la lune ici. Mais pour l'instant, ils savent que ça ne marche pas trop. Et ils ont du mal à prendre la décision. OK? Mais de toute façon, ce diable, hein, essaye de dominer. De toute façon, il a une domination orgueilleuse. Voilà. Mais pour moi, ici, alors il va être joyeux un moment, mais ça ne va pas durer éternellement parce qu'il y a des vérités qui vont sortir et qui vont mettre fin à tous ces, bah, ces trafics, hein, tout simplement. D'accord? Tout simplement. On va avoir des sacrifices à faire. On va avoir des sacrifices à faire. Mais vous voyez, c'est pour une bonne chose. On a la carte du soleil. OK? On va réussir, hein, d'accord? Parce que de toute façon, ils sont tellement confus que on a compris leur manège. D'accord? On a compris leur manège. Donc ici, moi, je pense que vous voyez, le peuple, hein, ne se laissera pas faire. D'accord? Voilà. Alors, ils essayent vraiment. Ils essayent vraiment. C'est vraiment leur but. Mais
Ça sera pas un confinement comme on l'a connu, ok? Mais oui, on sera limité dans nos déplacements, on sera limité dans beaucoup de choses, hein? Alors ici, vous voyez, est-ce qu'on va être confiné? On a le 8 d'épée, hein? Et pourquoi on va être confiné? Eh bien, il y a des examens et il y a des condamnations. Je vous l'avais dit. Vous vous rappelez? J'avais dit, on sera reconfiné, mais ce sera pour finir le nettoyage. Alors, ici, on a quoi? Ils ont vraiment pas de chance, hein. Je vous jure qu'ils n'ont pas de chance ici. L'univers nous aide beaucoup, hein, voilà. Et en plus, ils vont faire une erreur. Voilà. Ils sont déjà beaucoup critiqués, ils sont calomniés. Et là, il va y avoir des arrestations parce que de toute façon, ils vont faire des erreurs. Il y a des obstacles pour eux, des illusions. Et réclusion, vous voyez, voilà. Mais tout se fait dans la discrétion. Voilà, vous voyez? Discrétion, restriction. Il faut qu'on soit restreint pour qu'il puisse faire le nettoyage, tout simplement. Comme je vous avais dit, j'ai toujours les mêmes cartes et toujours les mêmes messages. On va regarder avec mon gros jeu, mais j'ai laissé les continents quand même, d'accord? Alors, est-ce qu'on va être confiné, s'il vous plaît, en France? Alors, on a l'automne, donc oui, cet automne, hein, vous voyez, donc pour moi, c'est septembre, un truc comme ça, hein, voilà. On a l'Amérique du Sud. Bon, moi, je veux savoir en France, on va être confiné, s'il vous plaît. On a les forces de l'ordre et les anges. Donc on est protégé hein, par rapport à tout ce qui est force de l'ordre et tout. On doit bien rester ancré, surtout. Voilà. Alors vous voyez, on a les plumes. Hein, ça doit attendre encore. Hein, voilà. Et ici, on a la croix. La fin d'une situation. Bon. Est-ce qu'on va être confiné, s'il vous plaît, en France? On va être confiné. Eh bien, regardez, moi, quand je vois ça, la croix, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une époque. Et ici, on a la porte. Donc, oui, on va être limité. On ne va pas pouvoir sortir comme on veut. Mais c'est pour voir le bout du tunnel. C'est pour trouver une solution sur la situation. Dans la situation dans laquelle nous vivons. D'accord? Voilà. Donc vous voyez bien hein, que on a la protection, on a les anges et tout ça. Hein. Bon. Moi je dis que ce n'est pas des mauvaises cartes. Reconfiné. Excusez-moi, mais avec cette chaleur, je crève de chaud. Il faut que je boive, sinon je vais faire une syncope. Reconfiné, oui, mais pas comme la fois dernière. Limité dans nos déplacements, devoir rester enfermé pour se protéger, oui, d'accord, c'est bien les cartes que j'ai tirées, hein. Quand on a sorti la carte des anges, c'est la protection. Donc, c'est pour nous protéger, les amis. Alors, est-ce qu'on va être confiné en France, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire si on va être confiné en France? Une protection divine, regardez. Et la fissure, c'est pas moi qui le dis. Hein. Est-ce qu'on va être. Vous voyez la fissure, hein? Quelque chose qui se casse. Regardez la sortie. Vous voyez? Il faut casser ce qui ne va pas pour sortir de cette situation. D'accord? Regardez ce que je sors ici. Échec. Et le changement. Vous voyez, pour moi ici,
Tout est fissuré dans ce monde, d'accord? Ils vont complètement à l'échec. Il faut sortir de là, il faut qu'il y ait un changement. On va continuer. Vous voyez, on a la protection divine, hein, les amis? Alors, protection divine, sortie, changement, on a toujours cet automne, voilà. Alors, oui, on va être confiné, hein, d'accord, voilà, cet automne. Parce que regardez, on va apprendre des choses. Il y a un verdict, il y a des nouvelles qui arrivent, les amis. Ok? Voilà. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on va être confiné? Donc, vous avez dit oui, hein. Regardez ici, regardez ici. Verdict, regardez, la trahison, l'enfermement, ceux qui nous ont trahis vont être enfermés. C'est pas moi qui le dis. Ils sont dans l'échec. Ok? Regardez. Trahison, enfermement, des nouvelles et la médecine douce. Ok? Donc on voit ici, on voit bien ici qu'il faut casser ces gens sataniques. Ils sont vraiment dans l'échec et ils vont être enfermés. Il faut sortir de cette situation. Donc oui, malheureusement, on va être limité, reconfiné, hein, voilà. Mais ça durera très peu de temps. Il y aura des divulgations. OK? Voilà. Mais vous voyez, ça vient d'une protection divine. D'accord? L'univers nous aide. Hein? Bon, de toute façon, l'univers ne va pas jamais accepter qu'on tue les gens comme ça par bonheur. Par pulsion, par tout ce qu'on veut. Alors, s'il vous plaît, Yoli, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous pouvez me dire si on va être reconfiné en France? Reconfinement en France. Alors là, on me dit non, vous voyez? Voilà. Mais il n'est pas tombé, hein, c'est moi qui l'écris. Alors, vous voyez, regardez. Serpent et argent. Alors, ils vont essayer, vous avez vu qu'ici on a oui, hein, d'accord? Mais la trahison ici, question pognon, a assez duré, hein, ok? Moi, c'est ce que j'entends, hein? Alors, on a le voyage et la tristesse. En fait, voilà, c'est ça. Reconfiné, comme il y a 3 ans, comme il y a 2 ans. Non, d'accord? On comprend de toute façon, voilà. Mais on va être limité dans les voyages, dans les déplacements. OK? Ça ne va pas être facile. Après, il y en a qui partent en vacances, l'automne, l'hiver. Hein. Regardez, on va renaître de nos cendres. Hein, et regardez, j'ai quand même le oui. D'accord? J'ai quand même le oui. Donc vraiment ici. Ce qu'ils vont encore faire, c'est qu'ils vont encore nous trahir, question argent. Ah ouais. De toute façon, il y aura encore du chômage et tout pour moi. D'accord? Voilà. On va être dans les déplacements, c'est vraiment une limitation. Hein? OK? Ça ne va pas être facile, hein, je vous le dis. Hein, ça ne va pas être facile, mais on a besoin de ça pour pouvoir renaître de nos cendres, pour pouvoir se reprendre en main. Est-ce qu'on va être reconfiné? Pourquoi? S'il vous plaît, Yoli. Regardez, il y a un départ. D'accord? Il y a un départ. Voilà. Un départ. Donc, reconfinement total, non. Dans les déplacements, oui. D'accord? Alors, non, pas de reconfinement total parce que les gens se sont quand même éveillés. D'accord? On me dit de tirer encore quelques cartes. Reconfinement en France, s'il vous plaît. Ah, voilà, regardez. Il y a un départ et il y a une transformation. Il faut laisser le temps au temps. Hein? Voilà, regardez. Départ, transformation, séparation. Moi, je vous dis, séparation de l'Union européenne. Hein. Alors, regardez ici, le diable.
Apaisement et doute. On a beaucoup de doutes sur le diable, d'accord? Voilà. Et il va falloir transformer tout ça. Bah, le diable, vous savez qui c'est, hein? Et on a sorti la carte de l'enfermement tout à l'heure. De toute façon, il n'y a que ça qui peut nous sortir de cette galère. Je vais prendre un petit jeu ici et je vais voir. Reconfinement en France ou pas, s'il vous plaît? On va être confiné en France. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Les enfants. Alors, vous voyez ici les enfants, les responsabilités, les amis. On nous dit de rester bien soudés et de faire attention à nos enfants. Reconfinement ou pas? Des nouvelles, des messages, des échanges qui arrivent. Ici, on a l'hiver et le choix. Donc, ils essayent, ils vont essayer de nous bloquer, d'accord? Mais il faut faire un choix. On a le sacrifice. On va nous demander de se sacrifier un petit peu, voilà. Apprentissage et études. Bon. Ça peut être la carte de l'hiver, mais ça peut être la carte des blocages. OK? Ici, il faut vraiment qu'on reste soudés par rapport à nos enfants. Ils vont essayer de nous sortir un truc par rapport à nos enfants. Il y a la carte du sacrifice et j'aime pas ça du tout. OK? Je vous le dis. Alors, ensuite, on a l'hôpital et la santé. Vous voyez, encore une fois, c'est vraiment un truc sanitaire, hein? Ils vont nous inventer un truc sanitaire et on va en entendre parler puisque là, message nouvelle. Alors, si on est reconfiné ou restreint, on voit qu'on a la carte de la chance. Et à côté, on a la carte de l'évolution. Donc, un avancement, ok? Une réussite. Les amis, surtout n'ayez pas peur si on vous dit... Reconfinement, limitation, vous avez vu l'enfermement, tout ça, hein, vous avez vu, pour moi, et c'est vraiment le message que j'ai encore, hein, c'est le nettoyage, les amis. Par contre, regardez, silence, repos, secret, mystère, les accords, les solutions. Vous voyez, il y a des choses qui se passent en coulisses, d'accord, pour trouver une solution. Regardez les parents, les personnes âgées. Pour trouver une solution pour pouvoir nous soutenir, nous entraider. Et la maison, le foyer. Donc obligatoirement, on nous dit de rester sage à la maison. D'accord? Voilà. Surtout de rester unis en famille. Pensée, réflexion, la femme. Et on a le danger. Vous voyez, ici, pour moi, la femme, c'est la France. La France est en danger. OK? Ah ben, regardez. Vous laisse lire, hein. Normalement, vous devriez voir. OK? Il va y avoir du changement ici. Voyez-vous? Voilà, changement à l'Élysée. Et oui, les amis. Donc, il faut faire le nettoyage pour que ça change. On est bien d'accord. Mais on voit quand même qu'ils sont encore tentés par le mal. Regardez. Ici, on a la création. L'adversaire. Ici, on a la tentation. Et la perte, la séparation. Donc, ils sont vraiment encore tentés de nous reconfiner. D'accord, mais vous voyez, ils sont tentés. Ils sont tentés, de toute façon, c'est des gens malsains. Mais, et attention, ça va concerner les enfants. Et encore une fois, les personnes âgées. Donc, faites bien attention, d'accord? Mais, pour moi, ça ne va pas durer longtemps. Il va y avoir un changement, et ça va donner. Il faudra faire surtout attention dans les grandes villes, ok?
Donc, si vous habitez une grande ville, on vous dit confinement, même si vous n'avez pas envie. Soyez gentil, prenez votre mal en patience. Et vraiment, essayez, si vous pouvez travailler à la maison et tout, faites-le, d'accord? C'est pour vous protéger. Vous avez vu la première carte qu'on avait sortie, c'était la protection divine. Ok? Voilà. Allez, je vous fais des bisous.